Yo tout le monde, nouvelle vidéo avec le King Skin Noël. Je l'ai pris, c'était pas prévu, pardon. De base, je voulais attendre que le skin soit en gemme dans 2 semaines pour prendre uniquement l'arme, parce que l'arme est incroyable. Et au final, j'avais besoin de la tête et du skin de dev. Du coup, je me suis dit, go tout prendre, et faire une vidéo avec la team du diable. Oui, je l'appelle comme ça, la team du diable. Pourquoi? Parce que c'est une team, tu commences en premier, tu one-shot tout le terrain. Et clairement, maintenant que King possède sa dernière arme, c'est incroyable. Surtout que moi, j'ai toujours pas monté l'arme SSR. Pourquoi? Je l'ai pas fait pour la simple et unique raison que si le King a un skin Hawk Pass et que ce skin Hawk Pass est bien plus intéressant que cette arme, bah j'aurais perdu 90 ressources pour améliorer les skins quoi. Et j'aurais perdu des dégâts du coup, je perds des substats etc. Bon bref, t'as capté. Mais sinon, let's go les gars, bon team classique hein, vraiment. Gozer HPDF, Q HPDF. Zeldris, HPDF aussi, son skin d'ailleurs les gars. Voilà, sans rien. C'est vrai qu'on n'a pas beaucoup de CP avec cette team hein. 332 400, c'est pas beaucoup en vrai hein. Ouais, c'est pas grave. Mais je pense en vrai que maintenant tu peux jouer ton King en HPDF hein. Vu qu'il y a eu la dernière arme. Tu pouvais le jouer aussi avant, mais tu perdais quand même beaucoup de dégâts. TC. Ouais, bah c'est un bot, je pense. Hein. Okay. C'est un bot, je me l'ai level 3 dès le début. Pourquoi tu quittes, frérot? Quitte pas le rêve, quitte pas, s'il te plaît. Je voulais te one shot, moi. Bon, pas grave, les gars. C'est pas grave. En plus, le mec, il était dans une guilde. Donc TC, c'est une guilde top 10, il me semble. Top 10 sur la JP, donc c'est très très bon. Et je le connais, lui, je le fight beaucoup. Je vais te dire, c'est mon ami. Ok, là, c'est peut-être un bot, en vrai. Ok, cette team, on la connaît, hein, forcément. Ouh. Ah, il y a beaucoup de CP, le mec, hein. Ouf. Ok, il est full 6-6. Ok, ça, par contre, les gars, c'est une giga whale, hein. Full Species, full HPDF. Ouais, je sais quoi cette whale. What the fuck. Bah, c'est chaud quand même. Bon, du coup, King maintenant one shot. Hein. C'est sûr, hein. T'as le HPDF, tu le sens. Hein. Oh. Ah, du coup, en vrai, si j'ai ma dernière arme montée, je one shot vraiment tout le board, quoi. Intéressant. C'est nimp, hein. Vraiment King, c'est abusé. Hein. Ok, bon là, vraiment, je vais prendre 0 dégâts. Hein. Pff, mon shield est beaucoup trop cheat. Hein. Ah bah ouais. Pff. Oh. D'accord. Mon shield sera petit. Bah en vrai, je vais full AO avec Q, hein. Je vais le rank up. Hein. On va full AOE, hein. C'est le meilleur play ici. Hein. Vraiment le meilleur play, le plus option en tout cas. Voilà. Q. 120 000 HPDF. Hein. Polo. King. Nice. Waouh. T'as vraiment King, il prend tellement cher. Après, le truc, c'est que bah King, hein, attaque DCC, t'as pas trop de stats. Hein. 27 000 d'attaque. Ouais, en vrai, King, le truc, c'est que King, pourquoi il est vraiment cheaté? C'est parce que déjà, il y a des skins vraiment broken, mais il y a aussi des stats totalement broken. Genre, le personnage, c'est le meilleur personnage en termes de CP sans relique, bien évidemment. Avec relique, pour le moment, c'est The One. Hein. Forcément, les gars, The One. Mais. Vraiment, King, quand ce personnage aura sa relique, j'ai peur. Hein, vraiment, j'ai peur. Pff. Déjà qu'actuellement, le King détruit le jeu. Vraiment, tu commences en premier, tu gagnes. Hein, tu connais la méta.
C'est... Ça va être n'importe quoi. En fait, même si la roulique, elle donne pas un effet cheaté, c'est juste le fait est d'avoir des stats de base supplémentaires, ça va forcément upper le perso. C'est un peu comme The One. On va dire sa relique, c'est pas le truc le plus utile du jeu, bien évidemment. Ok. C'est quoi sa team là? C'est un mec ou un vrai? Ok, non, c'est un bot. Un bot. The One, ouais, c'est pas la relique la plus utile, mais comme ça donne des stats de base, c'est ultra fort. Voilà, ça arrive, le commandement de Zell va nous nerf un peu les dégâts. N'importe quoi le jeu. Oh lolo lolo, lo, oh lolo lolo, lo, lo. Machalux, hein, comme on dit dans le milieu. N'importe quoi. Ok, là, ça va aller sur King. Oh, mais ça, en fait, le truc, ce qui est incroyable avec cette team, c'est que tu one-shot, t'es un limite. Mais le truc, c'est que après, t'as un shield de taré. Vraiment, le mec ne peut rien faire. Et ça, c'est incroyable. Hein. Voilà, deux. Ok, bon, ça change rien en fait. Hein. Oh. Oh. C'est pas normal, hein, ça fait trop de dégâts, enfin, c'est pire qu'avant, genre le choix. Oh là là, en vrai, c'est ce skin, franchement, aussi, c'est une erreur, hein. Pourquoi, les gars? Donc déjà, on va dire avec la multiplication des stuff, hein, plus quand t'améliores à fond, le skin, hein, on va dire tu gagnes 300, enfin 250, 300 d'attaque, il me semble. Mais après, t'as les substats supplémentaire, et c'est quoi? C'est 3% de chance crit. Ça, c'est intéressant pour le skill domination. Mais t'as 2% de dommages crit supplémentaire. Et ça, c'est incroyable. Vraiment, c'est incroyable. Franchement, je trouve ça. C'est totalement broken. Hein. En fait, le truc, c'est que donner la dernière arme sur King, je trouve c'est trop rapide. En fait, ça fait un peu comme The One à l'époque. De toute façon, c'est exactement le même schéma. Hein, tu le sais. Ah, il y a un an, c'était The One, Portail, Noël, après Step Up, une semaine après le Step Up, ok, Team Humaine. Eve, Guild Wales, Step Up et une semaine après. Oh, ok. Ah, c'est un vrai mec. Pardon. Item Void, hein, non? Ou Item HP? Item Void ou HP, là, hein. Ok. Lol. Est-ce que t'as kiffé, frérot? C'est ça ma question. Donc ouais, dans une semaine après le step up, c'était un holy war. Et cette année, ça va être bah, pareil a priori. Ok, le mec ne joue plus. Littéralement, il vient de lancer son téléphone. Il a vraiment lancé son téléphone. Hey! Le mec s'appelle Hey! Ok. Pseudo assez cringe, mais ouais, pourquoi pas. Ah frérot, faut peut-être me toucher un jour. Hein. C'est débile, hein. Vraiment, c'est débile ce perso, mais c'est incroyable, hein. Ah là là là. Franchement, je trouve ça vraiment débile. Hein. On va faire un dernier match. Mais ouais, les gars, donc cette année, donc là, dans une semaine sur la JP, il y aura l'annonce du Holy War. Je ferai une vidéo. Une vidéo vers 17h, un truc comme ça. Parce que c'est quand même intéressant de savoir. On a eu des leaks. Oh, les gars, je suis un peu enrhumé, ça me saoule. Attendez. Ok. C'est un bot ou un vrai mec? On va faire ça du coup. Et Void ou pas? Non. J'en sais jamais avec les mecs. Oh là là. En vrai, tu te prends ça T1, gros. Tu veux faire quoi? Genre, vraiment, tu veux faire quoi, hein? Tu prends un 360 000 en AOE T1, mais tu veux faire quoi, genre?
C'est vrai, le mec ne peut rien faire, hein. Ça, c'est clairement un misplay ce qu'il vient de faire, hein. Il aurait déjà la version en vrai. Son shield, il serait plus puissant. Bon, ça change rien, hein, vraiment, les gars. Mais regarde, il peut rien faire. Je commence en premier là, il va quitter, non? Il peut quitter. Ok. Mais le mec ne peut rien faire. Tu veux qu'il fasse quoi? N'importe quoi ce jeu, hein. Là, ça va casser en un coup. Ah là 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 là. L'erreur de sortir la dernière arme sur King. L'erreur. Bon. Avant, avec 4 armes, c'était aussi OP, mais là, c'est encore plus cheaté, quoi. Ouais. Bref. Bref. Merci d'avoir regardé, les gars. N'hésitez pas à vous abonner, activer la cloche pour être au courant des nouvelles vidéos. Pardon, j'ai galéré, les gars. C'est chiant si je suis malade en même temps, du coup, c'est chiant pour parler. Le nez un peu bouché, c'est relou. Je sais pas si on l'entend sur la vidéo. Enfin bref, merci d'avoir regardé. En tout cas, ça fait plaisir. On se retrouve pardon, ce soir vers 17h. Enfin, le soir, t'as compris. Bref, ce soir, nouvelle vidéo, leaks. Voilà. À tout à l'heure. Tchuss.